Oh, vous êtes déjà là? Ah, ok, génial. Ouais, bon, ok, j'ai un peu d'avance, je sais. Blablabla. Et oui, les gars, donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de la Mégatine 2019. C'est incroyable, c'est un truc de fou. Et puis, on va s'ouvrir ça tout de suite parce que elle est belle et je suis vraiment impatient d'avoir du. Bon, j'ai vite fait vous parler de la taille de la Mégatine parce que, en fait, on se rend pas compte juste à ce qu'on l'ait en main. Et c'est vrai que c'est vraiment beaucoup plus petit. Donc voici la Mégatine, une Mégatine standard des autres années. Et puis vous voyez en fait sur la terme de la largeur, la longueur c'est quasiment la même. En fait la nouvelle Mégatine qu'on a cette année, elle est on va dire 2 mm plus grande. Et vraiment en largeur c'est vraiment vraiment plus petit. On va dire, ils ont économisé la taille de, on va dire 33% de la largeur. Mais franchement elle rend vraiment vraiment. Bon, perdons pas plus de temps. On va s'ouvrir ça. Ah, au fait, je vous l'ai pas dit, mais j'ai ouvert mon petit compte Card Market. Donc, si ça vous intéresse de faire un petit tour, sachant que je pense que les cartes que j'aurai ne seront pas spécialement intéressantes pour moi, je vais également les poster là-haut. Donc, du coup, si ça vous intéresse d'en acheter 2-3, ben, vous savez où aller. Allez, bonne vidéo. Et voilà, les gars. Donc, on se retrouve avec cette Mégatine qui est vraiment magnifique. Donc, on va vite fait voilà, l'ouvrir et puis on va s'attarder sur vraiment le contenu de cette Mégatine. Hop! Voilà, alors, donc boîte sarcophage doré 2019, cette boîte sarcophage doré contient 3 mégapacks et 5 foils, chaque mégapack contient une secrète prismatique, une ultra, une super rare, une rare 12 commune avec des cartes venant des extensions suivantes, Flamme de la Destruction, Sauveur des Ténèbres, donc le booster où il contient du Sky Striker, Horizon Cybernétique et la Fusion de l'âme. Les 5 foils sont composés de 2 des 6 nouveaux monstres dessinés par le créateur de Yu-Gi-Oh! En personne, donc Kazuki Takahashi, le dragon alternatif ultime, le Blue Eyes, ouais, c'est ça le Blue Eyes, le magicien sombre du chaos Max, Exodia le défenseur légendaire, donc ok, c'est ça son nom français, Mana Oracle Palladium, dragon alternatif noir aux yeux rouges, et le Neo Planeur de Kaiser. Ok, bon, le Neo Planeur de Kaiser, c'est clairement la carte qui n'en est vraiment rien à foutre. Une des 3 nouvelles cartes conçues pour renforcer dans le duel et qui peuvent être facilement intégrées dans n'importe quel deck, c'est vrai. C'est vrai que c'est pour nous renforcer, c'est vrai que les 3 cartes là, c'est. Ah, on va dire que Nibiru, c'est la plus cheatée. Et 2 des 5 cartes de la série originale Yu-Gi-Oh! Utilisées voilà, par Yugi, donc Obelisk Tourmenteur, Slifer, le Dragon Ledora, Monster Reborn et Raigeki. Ok, ok, bah ça nous fait quand même pas mal de cartes, donc voilà, de contenu qui est intéressant. Donc ok, on ouvre et on a donc les promos. Ouais, donc les boosters sont en gris. Je préfère les boosters de l'époque des Megapacks où ils étaient colorés, mais bon, je pense que c'est pour se faire un max de fric. Je pense qu'en les faisant en gris, ils douillent moins. Et ensuite, hop, donc voilà, donc on a le magicien du chaos sombre Max. Vraiment en prismatique secret rare, vraiment très très belle. Enfin, l'artwork est moche, mais je trouve que la rareté est vraiment super sympa. Et derrière, nous avons le dragon alternatif noir aux yeux rouges. Ok, très bien. Ensuite, on a plus du tout gouverneur des ténèbres. Ok, donc c'est Dark Ruler No More. Et derrière, nous avons un petit Monster Reborn. Et pour finir, un Raigeki. Ok, d'accord, donc on a les deux. Ouh, très bien. Bah, un Monster Reborn et un Raigeki en parallèle prismatique secret rare, c'est vraiment super bien. Ça ira droit dans ma collection en max rareté, c'est cool. Et puis, ouais, bon, on n'a pas eu Nibiru, mais voilà, Dark Ruler No More qui est ouais, la deuxième carte la plus intéressante de la Mégatine en carte promo, je trouve. Le premier était en Nibiru. Après, l'autre, celui-là qui se défausse tel un trap pour bannir, ouais, je trouve qu'il est moins fort des fois. Et donc c'est le premier booster, voilà. Alors, Morel Noir Trickstar, très bien. Alors, Emulatelf Altergeist, Restauration des Monarques, ok. Pixiel Altergeist, Boycotton, Attaque Magie de la Bête, Royaume du Danger en rare, très bien. En super rare, Cyber Dragon Earth, ok. Je crois qu'elle était en ultra. Derrière, en ultra rare, nous avons Reclusia Croisédia. Ouais, c'est pas forcément la plus intéressante. Bon, après, pour pimper les decks Croisédia, très bien. Par contre, il me reste plein de cartes derrière. Et je pense que c'est des communes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc les 6 dernières cartes, en fait, seront
des communes. Ok, c'est bon à savoir. Alors, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils s'amusent à mettre des communes derrière. Je trouve ça débile, mais bon, je vais pas chercher à comprendre. Chimère, voilà, fusion, ok, on s'en fout. Dino Lutteur, roi, T-Rex, on s'en fout aussi un petit peu. Salamandre, souris, lutin tranchant, mangeur de coton, c'est sympa. Ascension de Salamandre. Le fameux Dragazès Belgladiateur qui était en rare dans Cybernetic Horizon. Donc comme voilà, le Réclusia Croisédia. Et derrière en Secret Rare, nous avons Magius Croisédia. Ok. En parallèle, Secret Rare, prismatique. Vraiment, vraiment super sympa. Hein. Là, qu'est-ce que je kiffe cette rareté. Je crois qu'on l'avait également dans les Superstars Mondiales il y a quelques années. Ça doit être le même genre de rareté parce que franchement les superstars mondiales, le soldat galactique qui était en secret rare, il était magnifique. Pour plein de cartes également qui étaient en parallèle secret rare, mais j'aime vraiment beaucoup cette rareté. Donc les 6 dernières cartes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, je regarde, c'est bien ça, c'est bien ça. Donc Drago, Stapelia, Predaplante. Du protecteur du tombeau, ok, Spartiate, horloge, vivre d'horloge, très bien, Rafale, champion mers-fourrure, ça fait bizarre de le voir en rare, sachant qu'il était en secrète, entraînement mers-fourrure, toute situation, cauchemar d'héritage du monde, transfamilier, code de limitation, cyclone cybersal, un petit pot artiste, lutte de l'héritage du monde, et là on va rentrer dans... Voilà, les premières cartes. Donc, Folgo, Justice, Merce, Fourrure. Ok. Qui était en super rare. Et là, maintenant, il est en rare. Donc, c'est un petit peu dommage. La fusion, Dragon du Tonnerre en super rare. Très bien. On va mettre ça là. Combine de piège en ultra. Et derrière, en secret rare, nous avons Red Reboot. Bon, c'est pas fameux. C'est bien. C'est une petite staple. Mais je pense que ça ne sera pas. C'est pas si ouf, en fait, Red Reboot. Surtout quand on voit les prochains decks qui vont venir. Enfin, bon. Voilà, voilà. Et pour finir, le dernier booster. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est 6. Voilà, c'est 6. Donc, Dragon Agave en commune. Très bien. Assaut de l'air, manœuvre, Sky Striker. Ok, donc onde de brouillage en commune. Héritage du monde, baguette du monde. Très bien. Barrière d'invincibilité, la fusion chaman protecteur du tombeau, le boss des protecteurs du tombeau, on aura quand même pas mal de cartes protecteurs du tombeau, réfraction de l'arc-en-ciel, ok, dragon arrière-plan, ok, sénat dragunité qui était en super rare elle aussi, protocorn, mandragore farstar, légion dragunité, et on va commencer les cartes les plus intéressantes. Survivant de l'héritage du monde en rare. En super rare, Dididi, super roi du déclin, Armageddon pourpre. Ok. En ultra rare, un petit Pancraceratops. Ça va, ça fait plaisir, c'est cool. Et derrière, en secret rare, c'est pas ouf, je pense. Oh, si, ça va. C'est la sirène chevalier du cauchemar en parallèle secret rare ronde qui est magnifique. Franchement, cette rareté-là, c'est juste... une très bonne idée de l'avoir remis. C'est rare que Konami fasse des bons trucs, mais quand ils le font, faut le souligner. Ah, c'est cool. C'est bien. Bon, bah voilà. Trois petites secrets. On va repasser dessus. Un petit Red Reboot, Magius Croisédia. Et un petit Troymer Sirène. Donc, un petit Mermaid, c'est cool. En ultra rare, on aura eu un Dino Pancraceratops. Combine de pièges. Bon, ça, c'est pas ouf. Et un petit Réclusia Croisédia. À croire que le jeu veut me lancer un petit peu sur du Croisédia. Et derrière, une petite fusion du tonnerre, un Cyberdragon Hertz et un petit DDD Super Roi du déclin d'Armageddon. Pour... Bon, à part ça, les rares, il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'est bien. C'est une petite ouverture sympa. Après, voilà, ce qui nous intéresse vraiment le plus dans cette... Ouais, on va dire que c'est clairement ces trois cartes-là. Deux cartes pour la collection et celle-là qui est quand même très très forte. Je vais quand même vous... lire son effet, donc annuler les effets de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour et aussi le reste de ce tour après la résolution de cette carte. Votre adversaire ne reçoit aucun dommage. Aucun joueur ne peut activer d'effet de monstre en réponse à l'activation de cette carte. Voilà. Donc, mis à part avec une carte piège ou une connerie comme ça où notre adversaire pourrait la negate, tout ce qui est sur le terrain adverse, voilà. Donc, c'est très très bien pour tout ce qui s'agit d'un. En fait, pour tous les boards, clairement pour tous les boards, que ce soit des cartes style
du Thunder en face qui nous empêche des tutos, ou un board full pendule où justement derrière il nous sort 36 000 negate. On joue cette carte là, ça devient que des monstres normaux. Il ne prendra aucun dommage, mais si c'est pour gérer tout son board, c'est vraiment une très très bonne carte. Voilà les gars, donc c'était une petite ouverture de la Megatin 2019. Voilà, donc c'était pas une très grosse ouverture, mais c'était une belle petite ouverture pour clôturer la fin des vacances de cet été 2019, qui se termine avec un bon produit, avec un produit même qu'ils ont changé certaines raretés, donc ça peut faire plaisir pour certaines cartes et également pour la collection. Merci les gars d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Sur ce, on se dit à la prochaine, portez-vous bien, c'était DB57, aux manettes.